Une soixantaine d'œuvres qui passent divers messages et traduisent plusieurs faits relatifs à la culture béninoise. Ce sont des œuvres réalisées par l'artiste peintre Ludovic Fadairo et exposées par le sœur Aounou. En tant que galeriste, c'est pour nous un devoir. C'est pour nous un devoir de révéler nos artistes plasticiens, d'autant plus quand ils sont aussi talentueux et qu'ils inspirent grand nombre d'artistes derrière eux. Donc Ludovic Fadairo, pour nous, c'était une révélation. Et ça a été tout juste un bonheur de monter cette exposition au sein du RIAD, de faire part de ce talent artistique, de cette pointure dans le domaine et de révéler ses œuvres aux amateurs, aux collectionneurs et au-delà, aux Béninois. Ces œuvres réalisées avec des matériaux de qualité irrésistibles aux intempéries ont été visitées ce vendredi 3 janvier 2020 par Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture et du Tourisme. Je suis ici ce matin avec les hauts fonctionnaires en charge de la matière au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts pour d'abord notre plaisir d'esthète, pour notre plaisir d'amateur d'art, pour le respect que nous avons pour le maître Fadairo, que nous avons visité, dont nous avons visité les œuvres ce matin, et qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être lui-même notre guide pour la médiation, pour que nous puissions communiquer avec ses œuvres, pour que nous puissions les comprendre, pour que nous puissions nous faire pénétrer de son esprit et de son message, bien évidemment. Pour l'artiste, la source de ses inspirations réside dans son pays. L'homme est la source de mes œuvres et on ne peut pas être né au Bénin et manquer d'inspiration, et surtout par rapport à l'homme et à l'esprit. Donc l'homme est la source essentielle de mes œuvres, la culture de l'homme, depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Beaucoup de matières entrent en compte de préparation pour la réalisation de mes œuvres, parce que d'abord je respecte la matière qui a une vie, je respecte les pigments qu'employaient nos parents quand il n'y avait pas l'industrie extérieure et des œuvres qui duraient, parce que c'est pas ces œuvres-là que l'anthropologie a fait son travail et a trouvé notre histoire. Donc ces éléments-là, ces pigments-là, je les emploie. Et surtout la terre avec laquelle je communie tout le temps, parce que je suis terre avant d'être. Après les explications du guide, le ministre ne regrette pas sa visite. Je ne regrette pas un seul instant d'être ici ce matin. Je voudrais inviter les amateurs, les amoureux d'art à venir ici communier, à venir découvrir, à venir soutenir la culture et l'art au Bénin. Et pour les exposants, l'objectif est atteint. Oui, je pense que l'objectif a effectivement été atteint et il continue. Nous, notre satisfaction, c'est de voir de nombreuses personnes contempler, admirer, s'interroger et regarder les œuvres du maître. Donc jusqu'à présent, oui, nous avons eu beaucoup de visites, nous avons suscité des émotions, nous avons intéressé les Béninois, conquis les amateurs, offert une pause, une parenthèse aussi aux Béninois au travers des œuvres du maître. Donc oui, l'objectif est atteint, mais on attend encore de nombreux participants, amateurs, collectionneurs. Si l'art est la seule forme d'activité par laquelle l'homme en tant que tel se manifeste comme véritable individu, alors Ludovic Fadairo ne dira pas le contraire.